tout le monde, bienvenue encore une fois sur notre chaîne YouTube, sur notre site internet ainsi que sur notre page Facebook bonlocataire.com, toujours au pluriel. Alors aujourd'hui on est dans le secteur de Verdun, donc on est à côté du métro de Verdun, donc on est à quelques minutes de marche, je vous dirais peut-être métro de l'Église pour être beaucoup plus précis. Donc je vais vous montrer un grand 5,5. Trois chambres, grand salon, cuisine, très spacieux, en très bon état. Donc, on est au deuxième étage. Donc, sans plus tarder, bon, si vous avez des questions, comme d'habitude, par rapport au prix de la location, cliquez juste en dessous de cette vidéo et vous allez avoir un lien Internet qui va vous amener avec les photos, le prix, les inclusions. Donc, il y a plusieurs informations très pertinentes que vous allez avoir lorsque vous allez cliquer juste en dessous de cette vidéo sur le lien qui vous amène à notre site bonlocataire.com. Alors, sans plus tarder, on commence cette visite 360. On est au deuxième étage, donc on est dans le secteur de Verdun, à 1 minute de marche ou 2 minutes de marche du métro de l'Église. Donc, je vous montre un peu l'extérieur. Donc, voilà. Bon, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est une journée un peu grise, il pleut. Voilà, donc vous êtes au deuxième étage, vous montez et pouf, vous avez ici immédiatement un petit hall d'entrée céramique. Des beaux planchers en très bon état. Donc, ça vient d'être rafraîchi dernièrement, ce que je peux voir ici actuellement. Donc, tout de suite, dès l'entrée, vous avez un petit garde-robe d'entrée, ce qui est quand même intéressant. Le salon, très grand. Si vous avez des grands meubles, aucun souci. Ça pourra entrer facilement. Vous avez immédiatement la plus grande chambre, donc la chambre des maîtres. Je vais vous dire, franchement, c'est très, très grand, très spacieux. Si vous avez un lit king, ça pourra entrer facilement, sans aucun problème. Vous avez ici, encore une fois, un garde-robe pour cette chambre-ci. Bon, vous allez avoir aussi une autre pièce que vous avez qui communique avec la chambre des maîtres. Donc, si vous êtes un couple hein, ou un couple de colocataires, ce qui veut dire 4 personnes, bien, à ce moment-là, vous pourrez utiliser cet espace-ci comme bureau ou une deuxième chambre à coucher. Si vous l'utilisez comme chambre à coucher, vous avez un grand lit. Encore une fois, sans problème, ça pourra entrer. Vous avez ici le garde-robe avec le réservoir d'eau chaude. Et puis, vous avez vraiment... Bon, cette chambre-ci, bon, important, c'est que vous n'avez pas de fenêtre dans cette chambre-ci. C'est pour ça que vous avez une porte et une deuxième porte juste ici. Donc, question de sécurité. Alors, voilà, vous avez des thermostats électroniques aussi. Et puis, vous avez, encore une fois, le grand salon. Alors, voilà, donc ça, c'est pour le salon, les deux chambres. Et immédiatement, je vous montre la salle de bain, céramique, baignoire. Vous avez la douche aussi en même temps. Vous avez la toilette, lavabo, vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous avez ici la pharmacie. Hop, et voilà. Et vous avez tout vu dans la salle de bain. Alors, salle de bain, maintenant la cuisine. Regardez-moi cette cuisine. Si vous avez une grande table à manger, 4, 6 places, ça pourra entrer facilement juste ici au milieu. Vous avez beaucoup de comptoirs. Bon, le comptoir, vous avez ça ici. Vous avez de l'autre côté aussi avec le lavabo. Vous avez de la céramique sur les murs. Vous avez beaucoup d'armoires, c'est ce que je voulais dire tantôt. Donc, beaucoup d'armoires, beaucoup de rangements, c'est un gros plus. Et vous avez les électroménagers qui sont inclus dans le prix de la location. Ce qui veut dire que vous avez la cuisinière, laveuse, sécheuse. Vous avez le réfrigérateur, juste ici, qui est en bon état. Et vous avez, je présume, le micro-ondes. En plus, vous allez avoir l'air climatisé, donc la climatisation murale que vous voyez juste ici en haut avec le 360. Et je vois ici que vous avez aussi le lave-vaisselle qui est portatif. Alors, vous avez une grande cuisine. Vous avez aussi la troisième chambre à coucher, encore une fois. Celle-ci est quand même de bonne taille, quand même assez spacieuse, beau plancher, propre, en très bon état. Et vous avez encore une fois un garde-robe pour la troisième chambre à coucher. Des grandes fenêtres. Normalement, c'est un logement qui doit être très bien éclairé durant toute la journée. Vous avez quand même des fenêtres un peu pas mal partout, sauf dans la deuxième chambre que je vous ai montrée. Alors voilà, donc si ce grand 5,5 vous intéresse, vous êtes des colocataires du monde professionnel, bref, des bons locataires qui cherchaient de beaux appartements, contactez-nous immédiatement 514-622-3314 et puis il nous fera un plaisir de vous le montrer en personne.
Donc, partagez aussi cette vidéo avec plusieurs bons locataires qui cherchent pour immédiatement ou le 1er septembre de cette année-ci, ou peut-être même un tout petit peu plus tard, le plus tôt, le mieux que c'est. Alors, abonnez-vous aussi en même temps, comme je le répète à chaque vidéo, pour ne pas manquer les prochaines publications que nous aurons pour vous en tant que bonlocataire.com. Activez tout le temps la petite clochette pour être toujours les premiers, premières à recevoir les notifications. Alors voilà, merci beaucoup et à une prochaine vidéo parce que oui, nous aurons plusieurs autres beaux logements pour vous en tant que bonlocataire.com. Bonne journée et à très bientôt.